Avec le coucher de soleil. Vas-y. Souviens-toi que je suis un diesel, moi. C'est-à-dire? Diesel, c'est, ça démarre doucement, par contre après tu peux m'emmener jusqu'où tu veux. Mais bon, tu peux y aller mollo, quoi. Ok. Bon bah là les amis, on se retrouve avec le GT et le SE-Bex. On va faire une petite balade en Bretagne. Là vous êtes sur ma tête, sur mon crâne, voilà, avec la tâche. Donc du coup on va partir tranquillement, quoi. Là on va aller à droite. Je vais vous en emmener à un endroit assez sympa. Donc du coup la personne derrière, hein, pour ceux qui l'ont reconnu, c'est mon père. Du coup voilà. Le GT qui est vraiment incroyable. Ça va faire 2 semaines lundi que je l'ai. Et je le kiffe. Bretagne, hein, des petites maisons comme ça, petites pierres, tout ça, hein. Là je suis en vacances, du coup je fais plus trop de vélo, donc si vous m'entendez souffler, c'est parce que je suis plus trop habitué à en faire. Fais attention. Regardez, il y a un beau ciel bleu. En fait on est parti à ce temps là, il y a à peu près 20h30. C'est parce qu'on espère qu'à 21h il y a un beau coucher de soleil. Du coup voilà. Moi je suis à 100 d'hiver comme vous pouvez voir. Là on va aller dans un petit chemin comme ça. Et vous allez voir, on va arriver, ça va être stylé. Vas-y, accélération là. Regardez le snowy bike. Dans les petits chemins comme ça, c'est trop stylé. Interdit au public, les amis. Là, vous avez la stabilisation. Du coup, moi, je bouge et vous, vous bougez pas. Avec le soleil. En tout cas, j'espère les gars, vous passez de bonnes vacances et tout. Moi là, en Bretagne, ça se passe bien. Vous pouvez voir aujourd'hui, il a fait super beau et tout. Bon, il pleut quand même souvent. Mais il fait plus nuagé que pluie en ce moment. Là, ça va. Il pleut la nuit quand même un peu. On a eu un orage l'autre jour, ouais. Mais sinon, franchement, on a un beau temps. Là, il fait à peu près 22, je crois, donc c'est parfait. Je finis de mettre un petit pull. Et voilà quoi. Là, on va être arrivé. Le GT Bikes. No foot, les amis, toujours. Wouh. Oh, il est incroyable ce vélo. J'ai pas changé le frein encore, comme vous pouvez voir. Encore en frein mécanique et il marche super bien. Et là, vous pouvez reconnaître un peu les arbres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrive quelque part. Attention, 3, 2, 1.
Et voilà ce qu'on voulait, les amis. La mer. Dessus en plus. Allez, c'est parti. Yeah, regardez avec le phare. Yeah. Le petit voilier là-bas. Ouais, eux ils ont une vue de ouf. Allez, c'est parti pour des swerves. Avec le vent au bord de l'eau, les amis, insolite. Insolite. Ah, ça fait plaisir, vous imaginez même pas. Ce soleil. Mon daron, il a du mal à suivre, mais c'est normal, il fait pas un coup de vélo. Vas-y. Souviens-toi que je suis un diesel, moi. C'est-à-dire? Diesel, c'est, ça démarre doucement, par contre après tu peux m'emmener jusqu'où tu veux. Easy bike, bro. Yeah. Avec le coucher de soleil. Regardez les amis le vélo. Guettez la mouette les amis. Ah ah. Elle bouge même pas, s'en bat les couilles. C'est pas ça le bruit qu'elles font. Elles font. Bon j'arrive pas. J'arrive pas. Je vous mettrai un bout de mouette sur l'écran. Cette vue, putain, c'est mieux que Paname, hein. C'est mieux que les bâtiments quand même un peu, hein. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette vue. Moi j'aime plutôt un coup, hein. On va tenter un no-break en montée, les amis. Oh, j'étais chaud, hein.
Là on peut même faire un petit plan dans la descente, ça va être pas mal. Avec le soleil en face, parfait. Vas-y, vas-y. Il est parfait, viens. Vas-y, vas-y, arrête-toi. Oh là, le soleil, il est parfait. Tout doucement, tu pars devant, je vais te doubler, je vais aller tout doucement et sans les pieds. Et tu restes derrière moi. Et tu filmes avec le soleil devant moi. Allez. Le dé en haut. Il est parfait, le soleil. Ouais, ouais, j'ai vu. Regardez les deux vélos avec le coucher de soleil, les gars. Je sais pas si vous allez voir dans le plan, mais ils sont vraiment, vraiment stylés. Avec le coucher de soleil derrière, orange comme ça. Bah, c'est pas beau la mer. C'est incroyable. Du coup, là, le GT et le SE-Bex. Oh là là, les photos et tout. Bon bah c'est sur ce coucher de soleil qu'on va vous laisser les gars, j'ai plus de 4% sur ma GoPro. En tout cas j'espère que vous aurez kiffé la vidéo. Ça m'a fait super plaisir de vous tourner ça. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez une prochaine vidéo où c'est filmé en GoPro. Et je vous laisse là-dessus, c'était Patrick.